Et bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour l'épisode 5 de GTA 4. Et on en était au moment où je devais tuer ou non Vlad. Et visiblement en fait je n'avais pas fait attention, mais en fait il n'y a pas le choix. Il y a des moments où on aura le choix pendant l'histoire. Et là vous voyez le point sur le radar en fait ne clignote pas en bleu, il reste rouge. Donc en fait on n'a pas le choix autre que de le tuer. C'est pour le début de l'histoire, on n'a pas d'autre choix. Parce que regardez, si je m'en vais, ça changera rien en fait. Vous voyez? Alors que si il était bleu, en fait, là ça serait déjà fini. Mais attention, il y en a beaucoup qui voulaient que je le tue, donc dans tous les cas, je l'aurais tué. Donc on en arrive à la fin. Et on est parti donc pour la suite de cet épisode. Hoff Beach est un petit endroit. Mes amis vont vous trouver. You were the stupid one, Vladdy boy. Nobody fucks with my family. Ah, you're a big boy, Vladdy. Nico! Well, I guess this is over. What have you done? What does it look like? We're dead! No, he's dead. We're fine. He has powerful friends, serious people. I told you to be calm, you halted and jumped! I am calm. He tried to kill us. He screwed your girlfriend. What do you expect? I give him a massage? Shit! Shit! When I was in the army, we were going on a mission. To ambush a squad would kill a lot of innocent people. They were our enemies. But we never did it. There were 15 of us, all boys from the village. But one of us betrayed the group. It was a setup. For money. 12 people died. 3 escaped. I know the traitor was not me. So for 10 years, I've been searching for the other two. One of them lives here. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful! You're here on some revenge mission for something that happened 10 years ago, and you don't care whose life you ruin anyway! No! Well, what? I don't know. I just want to know why they did it. Well, right now I don't think you're going to find out. Let's hide the body, at least for a while. Put him in the river. He'll fast and he's going to kill us. Shit! We should get out of here. You go. I'll catch up with you later. Et voilà. Tu peux appeler de temps en temps des contacts pour savoir ce qu'ils deviennent. Tu débloqueras ainsi des missions plus vite que si tu attends qu'ils t'appellent. Essaie d'appeler Roman. Ok. Bon, ça, on voit toute la froideur hein, de GTA 4. Hein. Il a buté de sang-froid. Roman, I'm here. What are you doing? Why do you whisper? I am on Vesta Street, near Perestroika. Come, Nico, quick! Ok, go. On va aller le voir. De suite. Bon, du coup, ouais, il fait nuit un peu parce que du coup, bah, j'avais coupé dans la mission de l'épisode. Dans l'épisode 4, il faisait jour hein, quand j'ai coupé la vidéo. Là, il faisait nuit donc. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est juste que j'ai refait la mission pour pouvoir faire en fonction de vos choix, en fait, tout simplement. Donc voilà, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont contents des épisodes, donc là on va continuer, hein, même si, comme je dis, il n'y a pas énormément de monde qui regarde. Mais s'il y en a déjà qui prennent plaisir à regarder, bah, c'est déjà le principal, vous voyez ce que je veux dire.
Donc voilà, on va continuer. Bon, là j'ai eu un peu de retard, donc celui-là, cet épisode-là sortira mercredi. Voilà, j'ai eu un peu de retard. Donc mercredi et le prochain, donc le 6e épisode sera samedi, comme d'habitude. On reprendra comme d'habitude, vous inquiétez pas. J'ai juste eu quelques soucis à régler avec le PC. Rien de bien méchant, vous inquiétez pas. Ok. Ah ouais, je crois qu'il est dans la Crime and Punishment. Where are you, Roman? Psst, Nico! Roman, what are you doing in the dumpster, man? Are they there? What are you talking about? Get out of there, man! I'm freaking out, man! I'm being followed! I saw them! Don't be ridiculous, you're being paranoid! Fuck you! Fuck you! Everything was fine, and then you show up, and now we're dead! Because Felsten is a psychopath, he's going to kill us! Because we killed Vlad! Vlad was his man! That's how it works! You kill their guy, they kill you! Roman, get out of there, man! Listen to me. Vlad was a piece of trash. They don't care about him. All they care about is making money. So, we say we work for them. Now get out of there, you smell like cabbage. I don't want to, man. I'm shitting myself. Oh! Get out of the dumpster, Mr. Fat Man. Come on, Fatty. The boss wants a little chat. Wake up! We had to gag him to stop the screaming. You shouldn't have brought them here, Andre. Why not? You've been a bad boy, Mr. Balkan. And the boss is not happy. Oh, no. I shit my pants. Not yet, but you will. Who are you working for? My cousin, Roman. Don't be an idiot. That's not good enough. I'm gonna saw off your fucking arm. Speak! Okay, okay. Your dad likes it up the ass. What do you want me to say, huh? Very funny. Do you think you're so smart? No! I'm tied up in the basement a long way from home, or some ape threatens me with a hacksaw. So no, I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television. Good Lord. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. And? Who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house. Making all that noise to find out he's his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's an imbecile. So, Nico Bellic, you think it's okay to kill my employees? If he is an asshole, yes. Do it! I agree. Asshole, look at me like I'm a piece of shit. Bonjour, moi. Now listen, Nico Bellic. You are very lucky Vlad was an idiot. The only reason I keep him around is because I fucked his sister. Look at me. You owe me. I got some dickheads in my neighborhood trying to run a shipment, yeah? And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you got to get them for us so we can make the sale. Can you untie Roman? Хорошо. Shut up, Roman. Shut up! Roman, shut up! Shut up, Roman! Shut up! That's it! Roman, shut up! Fuck! Shut up! Stop shooting people, you maniac! My wife doesn't like when people shout! Whatever! You better get those screens soon! Or I will personally pull your cousin's stitches out, one by one, and watch his guts spill onto the floor! Clean this shit up! Listen, we'll take care of your cousin, but you better get a police car. And then you call me. Roman, Roman. Go, go, go. I'll take care of him. Fuck! Trouve une voiture de flic. Bon, vous voyez, je suis content de refaire le jeu aussi pour ça, parce qu'il y a des scènes que je me souvenais pas, dont celle-ci, je m'en rappelais pas que... Quand Nico était devant la poubelle où il y avait Roman, il se faisait assommer par derrière, que ça arrivait aussi vite en fait. Pour moi l'histoire se déroulait autrement.
Donc voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, il y a une voiture de flic comme par hasard qui s'arrête, donc je suppose qu'on va pouvoir aller la voler. On va attendre qu'il sorte. Là il court, il se dépêche, c'est bien. Donc, du coup je vais pouvoir aller la chercher, je sais pas ce qu'il fait. Hop, on va se barrer avec. I hear the police car. What now? The van is driving around South Broker. Pull it over, take it to our lockup on Duke's Drive. Be more specific. How many vans you think there are in South Broker? That is a problem for you and your cousin, not me. Keep pulling vans over until you find the TVs. Goodbye. I think you should be around. Okay, alors. Il y a des vans. Donc il y en a un ici. On va aller au premier. On va mettre les gyros, enfin, quoi qu'il n'y a pas grand monde là, on va venir. Normalement ils sont pas trop loin, j'aurais peut-être pas besoin de couper au montage. On a un juste là. C'est très RP, hein. Ceux qui aiment le RP, là, on y est. Hein. Come out and don't try nothing. I ain't got nothing. You wasting your time. What you got back there? TVs? Show me. You're gonna be disappointed. Fuck, get out of here. Transporte que dalle. Allez, casse-toi. Pas que ça à faire. Pardon. Alors, le prochain. On va aller à celui-là. Ah, ça m'a pas mis le point, désolé. Parce qu'autant j'ai l'habitude des routes du 5. Autant là je me rappelle pas de la ville complètement. Autant j'étais à 5, on a tellement joué que limite on connaît les routes par cœur. Autant là le 4 ça fait longtemps, donc Liberty City, je suis un petit peu perdu à nouveau. Allez, on va aller voir ce deuxième van. Il doit pas être très loin, il est juste au bout là. Get the fuck out of here. I wouldn't do this. Kenny Petrovic is looking after this truck. Open up the bag. You got any flat screens? You're gonna be sorry. Motherfucker! Ah! Ok, aux pompes, ça c'est vite réglé. Allez, on prend le van. Vous voyez, je pensais que ça serait le troisième. Même pas. On est jusqu'au box. Il est où le box? Ah, c'est bon, il m'a mis chaud. Alors c'est dommage parce que je vous aurais bien mis la radio, mais avec les droits d'auteur, ça va même me bloquer la vidéo. C'est ça qui est un peu chiant. Allez, on va passer par là. On va faire un détour, c'est pas grave. Parce que alors les radios du 4 étaient pas mal. Vraiment, il y avait de bonne musique. Hein. Et surtout qu'en plus ils ont mélangé les musiques avec ceux des deux DLC, The Ballad of Gay Tony et The Lost and Damned. Du coup, il y a pas mal de bonnes musiques qui sont dans le jeu original, donc GTA 4, l'histoire principale quoi en fait. Allez, on est presque arrivé je pense. Je crois que c'était trop loin. Alors vous me direz si vous voulez, si vous préférez que je coupe les trajets ou pas. Peut-être que là je l'aurais coupé hein, en fin de compte parce que c'est un peu long quand même. Ouais, si vous voulez que je coupe les trajets ou si vous voulez que je vous les laisse. Ça c'est à vous de me le dire. Peut-être que vous aimez bien voir
les trajets qu'on fait pendant entre les missions ou pendant les missions, je sais pas. Ça vous permet de voir un peu la ville aussi, quoi. Voir un peu comment ça bouge dans GTA 4. Hop, ça vient de s'ouvrir. Allez, go. On sort de là. Faustine ajoutée. Ça, on va ressortir les points, voilà. On va peut-être l'appeler, non? Ah bah c'est moi, il l'appelle. I've left the van where you say. How's Roman? He's okay. A little scarred, but okay. You did good. Mikhail needs someone like you. Stop by and see him sometime. Doctor's office that was dirtier than the basement we were nearly tortured in. I'm great. You sound calm, actually. That Dimitri guy gave me some painkillers. I'm kind of out of it. If you're near a shop, can you pick up some adult diapers for me? See you later, Nico. On vient d'appeler. Ouais, il y a des fois, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. En fait, pour débloquer des missions, il faut appeler certains personnages du répertoire. Donc voilà, du coup, j'ai appelé Roman. C'est ce qui m'a permis d'avoir le F de Faustine que je n'avais pas jusque-là. Donc, eh ben, on va tout simplement aller continuer avec Faustine. On va remettre le point. Et je pense que je vais couper jusqu'à ce qu'on soit arrivé là-bas. A de suite les gars. Ah, et on arrive chez Faustin. Il y a un hélico qui vole par là. Comme vous dites. You have arrived. Hop. Allez, on va aller voir ce qu'il nous dit. Do you have protection? Hey, Nico. Hey. Come in. Thank you. Lay off that stuff. Why? Because it clouds your judgment. Not now, it's not the time. My judgment. That's a good one. I'm a fool. A drunken fool. Nico's here. We're going to go take care of that guy. I take it you won't be joining us? Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Calm? Why? So I can be like you, Mr. Barbiturate? Always so fucked up on painkillers, you don't give a shit. You need to calm down. Where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia, or selling hash to tourists in Red Square, or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. You be careful. You're getting crazy. That's the way it works. I am angry. You are calm. I scare you reason. It works. Yes, but you've angered the wrong people. Blah, blah, too many blah, bodies, blah, too blah, much blah, attention blah, will blah, be blah. Dealt with if we don't start playing by the rules. I've angered people. Me? Not we. Strange. When I give out the money, it's us. When I have to push people, it's me. All alone. Don't think I cannot see through you. After all we've done together. You're getting delusional. Look, we have to go. I fucking love you. Yes, yes. I fucking love you. I know. Yes. Yeah. But you treat me like a child. I run things my way. Dimitri Raskolov, my fucking way! Get out of my sight! Or I fucking kill you!
I'm not saying don't run things your way. I'm saying be calm. Here. Take a couple of these. What are you still doing here? I said get out of my sight! Conduit Dimitri au sex shop sur Delaware Avenue. Alors, vous savez quoi? On va aller prendre la petite voiture qu'il y a juste là. Ah oui, oui, oui. Je l'ai vu tout à l'heure. La petite Turismo. Qu'est-ce qu'elle était belle, la Turismo, dans GTA 4. Même le bruit. At least he could have done is sent over some tapes. You know how much money there is in selling this stuff online? A whole fucking heap. We're going to ignore what Mikhail said and try not to kill them. Taking a bite of this pie would be very profitable for our operation. I got no problem with sparing some lives. No, it's Mikhail that has that issue. Can't keep his finger off of the triggers. Wasn't always like this though. Things got to him. I hope it don't get to me. Ah, faut bien qu'on s'amuse un peu, enfin une voiture puissante. Poussez-vous! Oh, on est déjà au sex shop, on est arrivé vite. Hein. Entre dans le magasin. Et ça t'arrive de fermer les portes, Nico? Where's your boss? What do you mean? He's, in the back? No, 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 he's... He better not be filming. No, they're just having a meeting, I swear. Get out of the way! Fuck. You see? They don't make them like that no more. That's a vintage Bush. If it wasn't for that, I'd say this weren't worth transferring to DVD. Hey, Joseph! You think you can expand your business interests, make these pornos and sell them, and we won't know about it, huh? We was just waiting till the books was closed at the end of the financial year! Then we was gonna cut you Your books are closed until you pay us our cut. Nico, take this and cover Joseph. We ain't making that much cash. Is that a fact? Listen, big guy, you got a great look going on. Real strong. We could put you in one of our films. Shoot this scumbag in the leg. Hey, man, please, go easy on me. Come on, big guy. All right, already. Brett was just trying to be friendly. Shit, he'll be out of action for a couple of weeks. You got some money for Mr. Faustin? Fine, here you go. We ain't gonna have the resource. You should have thought of that earlier. I got something special in these pants! I need to show it to the world! Joseph, I thought you were a better businessman than this. We go, Nico. J'ai peur, hein. Oh, la feinte. La feinte. Allez, on remonte. And we're going to an alleyway off of Dillon Street in Chatham. On va dans une ruelle à l'armurerie avec Dimitri. Ok. I want to buy you a present. Will you wrap it up and put a pretty bow on it? Screw you. We're seeing a friend of mine who's got a good line on weapons. Pardon. It's on the ground. A back room place. There are a few around the city. The mayor has a real hard on for gun control. Guns don't seem that controlled. I seen plenty and I just got here. And now you'll know where to get them for yourself. What's the problem? Mikhail, я знаю, что ты это не имел в виду. Все в порядке. I didn't kill Joseph. We will make more money with him alive. Черт, Mikhail! Mikhail! Oh, merde. Fuck! T'es à queue. You're lucky! Ramadan tried to make you kill someone every 2 seconds. Ah, épouse-toi, les chocs, c'est vraiment énorme comment ils étaient bien faits. The shop is just down that alleyway. Pick out what you like. Tell them to put it on Mr. Faustin's account. Okay. Cool. Tu peux acheter des armes dans plusieurs armureries de Liberty City. All right. You don't look like a cop.
Buy what you want. Vous avez pas l'air d'un flic, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Les stocks changent constamment, alors repasse plus tard si tu ne trouves pas de ce dont tu as besoin. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ah ok, bon là y'a rien. Bientôt en stock, bah, super, y'a que dalle en fait. Lui non plus, ah bah on a... LB pour examiner. Ça c'était déjà super bien fait quand même. Allez, j'achète. I'll take this one. Charge Mr. Faustin. You fucking Ruskies are milking me dry. I ain't a cow. Un snipe, ça aurait été bien là. Oh, le pompe de dingue. Le snipe, il est pas mal haut celui-là aussi. Ok, bon bah. Fallait s'en douter qu'on n'avait pas grand chose à pouvoir prendre. Tu peux aller à l'armurerie chaque fois que tu as besoin d'armes et de munitions. Ok. Drive us to Mr. Faustin's. Conduis-moi monsieur Faustin. Ok, on rentre à la maison. Quoi. So, you and Mr. Faustin, have you always argued and made up like this? It wasn't always like this. Mikhail was a great man. He had a temper, but he was fair. Now he blows his top at the slightest thing. I never know who he will shoot, who he will stab. Andrei, who you met in Mikhail's basement. He was always loyal. He was a good worker. Now he's dead. I guess that is why we need your help. Remind Faustin of that. Maybe then he will not try to kill me. Ah, on commence à vraiment tomber, enfin du moins à être dans le vif du sujet quoi. Là on vient de tuer Vlad, on flingue un autre gars dans, on tire dans sa jambe, enfin, on commence vraiment à être dans le gunfight, ça va. Puis là ça va continuer à s'enchaîner, ça va faire effet boule de neige comme on dit. On commence à être bien dans l'action quoi. Ça fait plaisir. Allez, on se gare là. Thank you for your help, Nico. Come to see us at the club soon. Mikhail will be cool by then. Sauvegarde en cours, ne pas éteindre l'ordinateur. Alors. On a un message. Quoi de neuf, Neko? Mon boss Réo Batman a des ennuis et vénère, passe me voir One Love. Ah, ça c'est Little Jacob. Okay. On va écouter les gars, on va s'arrêter là, ça va faire bientôt une demi-heure avec le montage des... Il y a certains passages que je vais couper donc ça fera peut-être un peu moins, je sais pas, peut-être que je ferai un peu plus d'une demi-heure du coup maintenant en vidéo si vous voulez vraiment 30 minutes bien de gameplay quoi. Parce que bon là il y a les cinématiques, puis il y a aussi les routes, les chemins, alors il y a des fois je les coupe, des fois je vais pas les couper. Donc peut-être que je ferai un peu plus d'une demi-heure les vidéos maintenant pour que vous ayez un gameplay un peu plus long. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas si ça vous a plu, bah comme d'habitude le pouce bleu du soutien, pourquoi pas. Partager la vidéo aussi hein, pour tout simplement me faire connaître sur les réseaux sociaux à vos amis, vos proches, les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux tout simplement. Pourquoi pas dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce 5e épisode. Et puis n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Je vous remercie d'avoir regardé ce 5e épisode de GTA 4. On se retrouve samedi pour le 6e épisode et dans la semaine pour GTA Online. Merci à tous et à très vite. Ciao.